Ouah ! Bonsoir, je suis Bob Lennon, et bienvenue dans le maître du donjon de Nullbuck. Et aujourd'hui, nous reprenons la série à l'épisode... 8 ? 9 ? Je ne sais pas. Et ça n'a aucune importance. Il y a eu 10 000 mises à jour, braves gens, et notamment la plus importante. Et pour ça, je remercie les créatures du jeu. Les créatures du jeu. Et John Lang en personne, qui a reçu d'ailleurs la corne des sables d'ivoire et la forteresse sur Drou Noir. Il a dit que mon livre était incroyable. Il était hypé, il l'a ouvert et tout. Il a regardé les goodies. Oh ! J'ai offert un truc au mec qui a fait le donjon de Nullbuck. Et il a dit que c'était Kali. Bref. Bref, arrêtons le temps. Et il y a eu des mises à jour. La plus importante d'entre toutes, option supplémentaire, exactement là où j'avais dit que ça devrait se trouver. Cacher, afficher la zone d'effet des pièges, très bien. Enlever toutes les pastilles de nouveautés et cacher les objets disponibles ou indisponibles. Regardez ça. Oh, 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 là, 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 là. On se libère. Ça fait grandement de la place dès le début et ça fait du plaisir, le luxe. Alors, il y a eu 10 000 mises à jour dans le donjon du Nullbuck depuis qui règle tous les bugs, tout ça. Soudainement, tout le monde doit aller aux toilettes parce que tout le monde a des besoins qui se déclenchent simultanément. Mais, parce que tout a été reboot, hein, les sauvegardes corrompues ont été sauvées, tout a été remis en place. Les soldats sont là, psibidi, ils en peuvent plus. Et accessoirement, il y a eu une mise à jour très importante, notamment au niveau des bugs, de tout ce qui va, mais surtout au niveau du stockage. Dorénavant, les étagères de stockage ne stockent plus 50 outils ou 50 armes, elles en stockent 20. Donc, pour tous ceux dans les commentaires qui me disaient « Mais Bob, pour avoir 1000, t'as juste besoin de 50 étagères et PTDR, tu les atteins, y'a pas de soucis, lol !» Ils avaient tort. Maintenant, il nous faut du stockage. Du stockage même que je qualifierais d'infini. Et que je pense qu'il va se réinitialiser à la seconde où je déplace un truc comme ça. Non. Ou pas. Ah, il y va. Fais le travail. Fais le taf. Ça a l'air d'être stable. Armement, 100%. On enlève le stockage d'armement dans le donjon, ok. Donc ça, on a l'air d'être très bien. Il va nous falloir plonger, braves gens, dans les trucs de gestion du donjon, le crack 40, la comptabilité et le reste, DRH. Mes excuses, car nous avons de gros problèmes. Le gros problème principal de ce donjon, c'est qu'il est sale. Il est sale, 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 sale et sale. C'est une puantitude terrible. L'étage des humains est dégueulasse, l'étage des elfes est dégueulasse, l'étage des orques est trop propre, les couloirs sont infâmes, bref, c'est la bite, comme on dit dans le pays. Donc, de fait, qu'y a-t-il ? Oui. Oui, très bien, bah écoute, un elfe qui cuisine, c'est très bien. Il va nous falloir comptabiliser le nombre de sbires de chaque catégorie et nous arranger pour voir comment ça marche. Nous avons 4 barbares, ils ne servent à rien, très bien. 22 drôles qui ne servent soit à torturer, mais il y en a très peu, soit à faire des recherches d'informations, donc ça c'est très bien. 27 elfes. Sur ces 27 elfes, nous avons 12 nettoyeurs. Le reste sont forcément des cuisiniers. 15 du cuisinier. Sur 12 nettoyeurs, il faudrait monter peut-être à 25, voire à 30. Donc 15 cuisiniers ne suffira pas. Je pense qu'engager 5 cuisiniers supplémentaires suffit. Plein de gobelins, des humains, des nains. Nous avons beaucoup trop de nains. Il va falloir qu'on se débarrasse des nains. Nous avons des orques et des pas de trolls car ils mangent les gobelins. Et ça fait chier. Donc, ce qu'il nous faut, c'est du recrutage. Sbire, recyclage. Oui, c'est vrai qu'on a 3 nécromanciens qui peuvent utiliser le pot d'air... Le pot d'air pour faire du recyclage magique. Un squelette. Ok, zombie. Eh bien écoutez, recycler. Voilà, faites ce que vous faites de mieux. Ok, très bien. Et dans les VIP, nous avons Zangdar qui mange à la cantine. Où est-il? On ne sait pas. Revax qui mange à la cantine. Le Golbar qui s'en branle. Emile qui bosse. Orlov qui bosse. Raja qui bosse. Mitrandir qui bosse. Et Gilles Barbe Jaune qui ne sert à rien, mais qui est un banquier émérite
de capacité élite qui est en train de se doucher. Très bien. Donc nous avons un problème ultérieur subséquent qui est terrible, de recrutement. Il va nous falloir des balayeurs. Donc on en a 12. Il nous en faut au moins 8 plus 5, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Good. C'est cher, mais ça l'est beau. De fait, il nous faut forcément plus de cuisiniers elfes. 1, 2, 3, 4, 5. Minimum, afin de pouvoir cuisiner tout le merdier. Des cultistes. Je sais pas si on a vraiment besoin. Des pharmagiciens. Je ne sais pas combien on en a en réalité. Des tortureurs. Des nécromanciens. On en a déjà 3, ça marche très bien. Pharmagiciens serait bien en vérité. Un petit pharmagicien supplémentaire, ça ferait pas de mal. Combien a-t-on donc de pharmagiciens ? Cuisinier humain, il faudrait plus de cuisinier humain en vrai. Cuisinier elfe, cuisinier orc pour faire de la viande, cuisinier humain qui font des desserts. Et enfin, nous avons des gobelins, s'amuser à la taverne, pilongol décolle-tête, toi c'est un artisan nain, licencié, direct. Tiglondule osbodin, on le licencie. En fait, on a déjà plein d'armes et on n'a pas besoin de plus d'artisans nains. Du bon travail, mais on s'en passera. On a beaucoup de soldats, c'est une bonne chose. Beaucoup de soldats nains, pourquoi pas, des soldats drow, des soldats barbares, des soldats humains, des soldats gobelins, c'est bien les soldats gobelins. Un soldat elfe, on en a un, ça fait plaisir. Des espions à plus savoir quoi en foutre, 3 pharmagiciens, fair enough, that's enough. Et enfin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 comptables, 3 tortureurs et 3 nécromanciens. Ce qui nous manque, c'est des cultistes. Je n'en ai pas vu. Eh ben, nous allons recruter des cultistes. Allez, hop. Un cultiste. Et un cultiste suffira pour l'instant. Voilà. Et on va recruter peut-être un autre barbare et ou sacrifier les barbares de manière à ce que le cultiste soit à même de faire face à tous les problèmes. J'ai recruté tout ce bon monde. Regardez cette équipe. Pénétrez dans le donjon de Nalbuck. Hop, 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 hop. Maniez-vous. Comment? Nettoie. Good. Good, 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 good. J'ignore où est-ce qu'ils vont nettoyer. Les couloirs. Oh oui. Alors, ils nettoient les couloirs des orques, du coup. C'est pas top. Mais bon. Hein? Se lave. Ah oui, d'accord, on direct. N'a rien à faire. Mais connasse. Toi peut-être? Dieu merci. Dieu merci. Ok, bon, voilà qui va changer quand même quelques détails. Hein. Il faut bien le reconnaître. Hein. Ensuite, où sont les gardes orques? Bon, ça c'est les gardes elfes. Ça c'est. Il y a 3 gardes drow dans cette pièce. C'est à l'étage qui sont les gardes. Ok, les gardes barbares. Où sont-ils les gardes barbares? C'est ça les gardes barbares, ok. Je ne sais pas où ils sont. Sbire. Les barbares. Valide. Rut le furieux. Très bien. Toi, tu seras sacrifié. Tartangle des deux clans. Tu seras sacrifié. Et Ikran, le bastonneur, tu seras sacrifié. Là. L'avantage du sacrifice, c'est que ça devrait créer des démons très puissants. Qu'est-ce qui se passe? Un combat est en cours. Où ça? D'accord, nulle part, ok. Tout effacé. Un raid est terminé, excellent. Victoire héroïque, la princesse est dans nos geôles. Mais c'est un peu surprenant, il s'agit d'une princesse ogre. L'essentiel, c'est que le clergé de Brave soit humilié. Excellent travail, les enfants. Ok, donc on peut voir aussi les butins. Est-ce qu'on peut récupérer? Vive à la perpression, messe noire, chasse au trésor. Ah, attention, nous avons les elfes, la CNI et les APDF. Très bien, au moins ils détestent. Bonus de faction vampire, ça c'est intéressant.
Donc là, c'est gni, il faudrait essayer de les rincer. Rendre service. Domestique et cuisinier, bonus de faction vampire. On y envoie nos meilleurs domestiques, notre meilleur cuisinier orc, un comptable nain et un soldat gobelin. Voilà, pour baisser la mortalité, parce que quand même la mortalité est élevée. Let's go. Bonne chance. Ensuite, on a les infos. On a que 66 infos. Putain, on est pauvre. Rendre service. Domestique, cuisinier, bonus de satisfaction, orc ou barbare. Voilà un soldat, voilà un cuisinier, voilà un autre cuisinier, voilà un soldat, et voilà un soldat. Très bien. Go. Excellent. Donc pour ça, malheureusement, il va nous falloir beaucoup plus de matos. Un combat est en cours. Mais où ça, le combat est en cours? C'est un aventurier orc. Torturez-le. Voilà, torturez-le. C'est honteux de laisser comme ça. Très bien. Très bien. Ok, bon. J'espère en tout cas que les balayeurs feront le taf. Hein. En tout cas, ça se voit qu'ils sont un petit peu passés. Hein. Tu vois les ouvertures de trous de là où ils ont nettoyé et là où ils ont pas nettoyé. Qu'est-ce que ça fout là? Cuisine. Attends son salaire. La file d'attente est longue. Guichet actif, sbire dans la queue. C'est bugué. Non, il bosse, hein. Il y a un, deux nains. Putain, la décade va se terminer que tout le monde n'aura pas été payé, si tu veux. En vrai, ce que je devrais faire, c'est presque un étage entier accordé au salaire, hein. Bon, une chose est sûre, Zangder, il va falloir que j'adapte aussi le 5e et le 6e étage, ce qui va donner accès à beaucoup plus de gens, mais malheureusement, malheureusement, c'est compliqué. Ah, nous allons assister à un petit sacrifice en règle. Si ça sent, c'est mes bottes. Allez, Rurs le furieux, tu feras un démon absolument parfait pour ce démoniste en herbe. Là. Ça sent, c'est mes bottes. Excellent. Ah, on va piller. Ouais. Parfait. Bon. Et eux, ils dorment ici parce que. On s'épanouit dans la souffrance. Ah bien, les autres. Épanouissez-vous, mesdames. Ok, très bien. Tout le monde pionce, tout le monde prend son plaisir, tout le monde passe à la taverne, tout le monde s'amuse. Qu'est-ce que tu fous là, toi? S'amuse à la taverne. Vous allez où pour vous amuser à la taverne? Attendez. D'accord, il s'amuse à la taverne. Ok, mais ça fait pas vraiment de sens, hein. Bon, après, il s'amuse, pareil. Prêt à faire des trucs. Il s'amuse à la taverne. Bon, je pourrais pas les empêcher de s'amuser à la taverne, apparemment. Je ne peux pas empêcher mes employés de s'amuser à la taverne. Je pense pas que j'en ai le droit, réellement. Après, on va faire face à une vague de mécontentement qui va être assez, assez grandiose. Hein. Une incursion en approche de Xor. Ils viennent convaincre le Golbard dans son ordre de libérer des démons de votre service. Ah. Fantastique. Ça veut dire qu'ils vont atterrir là, ces fumiers. Donc ça se passe bien. Ils vont passer par le champ de mine. Ça va être une boucherie. Ok. Un combat est en cours. Un combat est toujours en cours avec ce mec. Hein. Lui, c'est le bourreau. D'accord. On va le torturer, histoire qu'il soit confortable. Cet endroit est gardé propre. Cet endroit est gardé propre. Dieu merci. Super. Ils font le taf, enfin. Regardez les balayés. Putain, ça me fait du bien. Ça me fait chaud au cœur de voir ça. Alors ici, ça doit rester impropre, mais c'est très bien, c'est parce que c'est les gobelins qui bossent. Ici, ça reste impropre. Ici, ça reste impropre. Ici, ça reste impropre. Et ici, ça reste impropre à la consommation. Tout ceci est parfait. Belle salle des gardes,
belle salle d'entraînement impropre aussi. Il faut que ce soit sale pour nos amis les orques. Et waouh, mais monsieur, eh ben, Mozwadouk Axilik, ça tromblonne, hein. Qu'est-ce que tu fais, toi? Vous descendez, vous allez aux toilettes, je sais pas où ils vont. J'allais plutôt faire une balade en forêt. Mange à la cantine. On va la suivre, on va voir comment ça se passe dans notre donjon. Oui, c'est qui? Je suis tout propre. Miam, 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 dis-tu. Et là, elle mange, elle a l'air de manger de sa salade. J'espère qu'elle va dire un truc comme c'est trop bon la cantine. J'ai bien mangé. Boire, c'est bien, mais la vaisselle, c'est chiant. C'est trop bon à la cantine. C'est chiant, c'est nain. Ok. Voyons voir où on en sont nos réserves de nourriture. 472 gamelles, 470 viandes, 474 légumes et 26 desserts. La bonne nouvelle, braves gens, c'est que le fait d'avoir fait 10 000 cuisines et engagé 10 000 cuisiniers fait que nous avons un stock de nourriture assez obscène maintenant. Très bien, très bien. Du coup, voyons voir dans nos RH... Parce qu'en termes de gestion des donjons et de salaire, métier. Cuisinier, on en a 33. Ça nous coûte 600 balles. Moins cher que les gardes, mais c'est notre deuxième défense principale. Ils ont tous l'air très très heureux. Ok. Pas mal. 11 grade 1. 13 grade 10. Pas mal, pas mal, pas mal. C'est vrai qu'il coûte cher, cela. Et origine, une immense population... Non, ça va, c'est plutôt bien réparti. On a une grosse prépondérance d'elfes, dorénavant. Mais avec tout le reste, ça va, ça s'équilibre, je trouve. Même si on a une quantité d'elfes assez absurde. Du coup, je me demande réellement si... le stock de salade... Écoutez, prenez un screenshot de ce qui se passe. 470. Nous avons 470 de tout. Souvenons-nous que nous avons 470 de tout. Tapez-le dans le chat, s'il vous plaît. 470. Voilà, à la fin de l'épisode, on regardera où est-ce qu'on en est, pour savoir réellement, tu vois. Ça va réellement. J'espère qu'ils vont nettoyer un peu les couloirs et tout. Moi, cette salle des gardes est propre. Quoi, 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 quoi. Un garde a été sacrifié. Oui, ne vous en faites pas. J'écoute, mais je comprends pas tout. C'est normal. Et c'est gentil d'écouter. Honnêtement, moi, l'effort, il est fait. Incursion d'un porche. Un raid est terminé, encore. Et un combat est en cours, je sais pas où, mais c'est un bug. Excellent, mécontentement de la CNIL. Super. Et parfait, on a même gagné leur existence. On les a même. Oh, 215, putain, super, ils font des infos. Parfait. Je sais qu'il y a de l'histoire, braves gens, hein, mais il faut que je m'adapte et que je me remette dans le bain. Ici, nous enfermons les informations. Est-ce que je peux voir un peu en termes de stockage intérieur? J'ai gagné un objet. Qu'ai-je gagné donc? Un peinture de demi-orc. Ah, c'est la princesse, bah oui. Logiquement dans la chambre des orques. Voilà. Il y a un certain prestige quand même. Je valide. Voilà, un travailleur va installer là le patron de la jeune orque à l'appel. Bien sûr, bien sûr. Va installer Fiona, Fion pour les intimes. Impeccable. Qu'est-ce qu'on a gagné d'autre? Une statue cracheuse, tire un projectile spécial. Ce modèle a du mal à différencier les sbires des aventuriers. En même temps, je serai pas contre. Voilà, le fait de valider ça, avoir un petit peu de violence ici. Normalement ici c'est un étage interdit et la plupart des elfes mourront en passant, mais bon, au moins. Parfait. Tu peux l'enchanter. Oh. Incroyable. J'espère juste qu'un serviteur ne mourra pas en le réarmant. Ok. Est-ce que on peut me faire un point Q s'il vous plaît sur ma salle des informations? Ah, regardez ça, boss. Putain, il est vachement moins bugué le jeu. Ils l'ont vachement corrigé, hein. Ça fait plaisir, hein. Selon votre bon plaisir. Pardon. Je l'ai laissé pisser pendant 2 mois et soudainement les gens bossent, ils se plaignent moins. Sévice, compris. Ça travaille, ça gagne de l'XP correctement. Un sbire a déclenché un piège. Oui.
Ah. Ouais, j'ai déclenché une mine. J'ai bien peur que le réarmement de cette mine ne cause des problèmes. Et du coup, ce sbire va dans le lit. Qu'avez-vous derrière la tête ? C'est un nécromancien, mais normalement, un pharmagicien devrait réveiller son petit cul. Puis-je vous vendre une prestation ? Alors ça, c'est Mitrandir. Oh ! Ne me prenez pas pour un magicien de pacotille ! Hein ? Oh, je suis occupé à cartographier les processus. On requiert mes services. Pour challenger l'expertise institutionnelle et répondre aux défis du back-office, il est impératif de réussir les éléments conseil pour optimiser le pilotage des indicateurs de la force de vente. Il est imbloquable. Oh, ne me prenez pas pour un magicien de pacotille. Il est imbloquable, je dois le reconnaître. Donc lui a préféré dormir dans une salle propre. Oui. Après, c'est un drô. Et normalement, le fort magicien... Oh là là. Ah non, ça, c'est un domestique. Que veux-tu que... Ah oui, elle se couche, d'accord, pour pas cher Andy. Lui, il défile avec ses... D'accord, il va sacrifier le troisième. Des pièges ont été enregistrés. Oui, c'est qui ? Ok, good. On va pas déclencher plus. Tant mieux. Apparemment, la plainte principale de tout le monde, c'est où sont les chiottes, hein. Et où sont les forts magiciens, putain. En plus, la décade est passée, tout le monde devrait être payé normalement. Est-ce que tout le monde fait à nouveau la queue ici ? Oh ! Comment je peux adapter ça ? Comment je peux adapter ça intelligemment ? C'est juste. Le fait de les payer, c'est juste. 9 guichets actifs, 34 dans la queue, 6 guichets actifs. Aussi déprimant que ça puisse sonner, il va peut-être falloir que je déplace l'étage des nains et des drôles, ainsi que du stockage à l'étage, de manière à faire une espèce de banque gigantesque. La salle de trésor, faut en faire une sur tous les étages, ou au moins une tous les deux étages. Mais mec, t'as bien vu que ça sert à rien, ils sont 4000. J'ai 12 guichets actifs. Combien j'ai de banquiers ? Combien j'ai de banquiers ? 12 banquiers. J'ai pas assez de banquiers. Au secours. J'ai mille fois pas assez de banquiers en vrai. Bon, comptons les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai actif 9. 6, donc ça fait déjà 15. Et 12, ça fait 27. Et j'en ai 12. 27 moins 12, 15. Il me faut 15 banquiers supplémentaires. Ok! Ça va faire mal. Ouf. Petit recrutement de bancos. Aïe, 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 c'est simple, hein. Messieurs, nous vous avons recruté pour compter l'argent. Et je suis employé pour l'ardin. Ouais. Peut plutôt mourir que des nerfs sur patient. Et là, il se passe une farandole formidable et fantastique qui s'appelle la paix des salaires, braves gens. Et là, normalement, en 1, ça fait 21 selon la CDSI, j'avoue. Là, normalement, c'est pas mal. Il va y avoir un afflux de nains. Regardez ça, tous les guichets sont occupés.
Good. Good, 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 good. Good, 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 good. Voilà qui devrait désengorger mon problème. Grève imminente, mais bien sûr que c'est la grève, mais c'est toujours la grève, que veux-tu? Incursion de Xor, ils arrivent et ils m'ont cassé les couilles. Bon! Et lui, il se fait suivre par ses trois démons. On sait déjà que si lui, il meurt, ses trois démons deviennent méchants. Et ces démons sont très, 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 j'ai du travail. Très, 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 très agressif, voilà. Est-ce qu'on a des zombies, by the way? Où sont mes... Où sont mes... Où sont mes nécromanciens? Où sont mes nécromants? Bon, ça, c'est mes... Ok. Putain, quel enfer. Quel enfer! J'avais des nécromanciens, j'ai pas rêvé. Ah, ils sont là, excusez-moi, ok. Ok, zombies, bah recycle un zombie. En fait, recycle 5 zombies. Toi aussi. Et puis toi, recycle 5 squelettes. Voilà. C'est pas cher, c'est pratique. There we go. Et voilà, recrutement. Puff. Il reste des trolls, vampires. Vampire, fais voir, j'ai le droit. Non, j'ai pas de vampire à recruter. Ok, très bien. Incursion en approche, ça arrive. Écoutez, l'histoire, dès que j'ai trouvé une dernière fenêtre, mais excuse. Gestion, marché. D'accord, j'ai tout acheté ce qui était possible d'acheter, donc ça c'est bien. Stock et vente, l'air, there we go. Alors, limite combien? 1000? C'est quoi ma limite? Ah, on la voit la limite, d'accord, on la voit, elle est à fond. Donc ça veut dire que j'ai limite sur 1000, donc on peut avoir autant d'informations qu'on veut. Donc ça c'est une excellente nouvelle, la portée d'air est augmentée, donc il nous faut la max. Merde, j'ai fermé la fenêtre. Ça en termes d'armes, on y est. Ok, ça s'est vendu dans un internement, très bien. Vente au détail, je peux en vendre, mais ça fait un peu de thunes, mais aux F, c'est pas ça qui rend ça rentable. Le compost des morts vivants, c'est quand les gens meurent, donc ça prend un certain temps de processus. Et enfin, les outils, les gobelins travaillent à très très bonne vitesse. Depuis le début, ils ont fait 500 outils, ils bossent très vite. Et enfin, le dernier étage, la magie, allons-y. Eh bien, un raid est terminé. Excellent. Publicité gratuite pour le donjon. Parfait. Et eux, c'est la milice de Glarg. Ils nous détestent. Ok. Oups. Ah, la map des raids. Je peux pas regarder à droite, là. Ça révèle pas plus de la map. Si je fais clic droit, non. Renouveler mission, 6 balles. Très, très disponible. Ok. Vive à la boyère pression, un événement. Messe noire, pillage, chasse au trésor. Une bonne action est toujours récompensée, facile, 250 et c'est du mercenariat. Et l'objet, ce serait le hamster de compagnie. Hé hey. Ça m'a l'air fantastique. Bonus de mission espion, bonus faction barbare et vampire. Bon, on va y envoyer quelques espions. Voilà. Allez hop, mon raid. Ok, très bien. Nous sommes un donjon louche, c'est pas mal. Côté bouffe, on était à 470 et on reste environ à 400 tout le reste. On est donc constamment à fond. Ça veut dire qu'on peut virer environ 30% des effectifs de nos cuisiniers. Mais ça, c'est juste après la cinématique. Voici mes premiers constats en matière de développement cosmique. Il vous faut optimiser les processus d'accumulation et de gestion de la connaissance par la construction d'une structure de stockage adaptée. Il me faut une... Une bibliothèque, maître. J'avais compris, fiente de Gorgoth. Compte tenu des émanations démoniaques propices du quatrième étage, je vous suggère une installation dans les niveaux supérieurs afin de bénéficier des vents cosmiques ascendants. Ok. Construire une bibliothèque et accumuler de l'énergie astrale. Eh bien, en vrai, c'est très bien. Alors, cet endroit me fait chier, ce corridor. Il est absolument indéfendable. Trois portes là et une porte là. Si un connard se pose ici, c'est la liberté de son fiac. Et d'ailleurs, je ne sais absolument pas ce que je vais faire de cet étage. Là, une bibliothèque, peut-être? Ou une autre salle des gardes? Une salle de repos? En dessous, il y a des chiottes et c'est les logements de stockage de tout le monde. Ainsi que le couloir de la mort.
et quelques petits endroits pour qu'ils puissent dormir et des chiottes, parce qu'ils ont tout le temps besoin de chiottes. Pour l'amusement, ils ont droit à la taverne. Parce que je l'ai déjà bien optimisé mon donjon, si tu veux. Hein. Normalement, il n'y a personne qui bosse à cet étage, donc pas besoin de payer des salaires. Un labyrinthe? Non, non. Je sais pas vraiment quoi foutre ici. Hein. Et même si je bougeais l'étage des nains, ça ferait juste que retarder l'échéance de la paix, si tu veux. Je ne sais pas quoi en faire. Une fois une chose est sûre, par contre ici, il faut absolument y installer le bousin à Zangdar et le bousin à Rivax. Voilà. Je sais pas quelle taille respective il ferait, mais ce serait assez cosmique à mon avis. Hein. Même si le problème c'est que si les héros débarquent par ici, ils peuvent débarquer au sixième étage les héros? Est-ce qu'ils peuvent? Parce que s'ils peuvent, ça voudrait dire qu'ils peuvent attaquer Zangdar direct en fait. Et c'est dangereux du cul. Bon. Bibliothèque. Produire de l'énergie astrale et faire apprendre des sorts aux sorciers, forts magiciens, cultistes et nécromanciens. Le problème, c'est que je peux pas choisir où dorment les gens, n'est-ce pas? Ah, je réfléchis, hein. En vrai, combien de pièces il me reste à débloquer après ça? Salle du trésor, salle d'entraînement, salle d'eau, salle de pause, salle des gardes, prison, dortoir. Bon, après, si on me dit qu'ils ont un meilleur pathfinding, je veux bien le croire. Je vais commencer avec ça. Une belle porte. Une porte qui lie les deux. Les cases ne sont pas accessibles. Bah, lesquelles? Ah! Ah bah oui! Oui, excusez-moi. Oui, j'ai pas mis d'escalier encore. Suis-je bête? Il n'y a pas d'escalier pour y accéder. Fun fact, no. Ah, ça m'arrange pas. Mais attends. Ça veut dire qu'on va bouger le bureau de Zangdar et le bureau de Rivax. Putain. Mais on va voir où est-ce qu'on peut mettre des escaliers déjà. Apparemment là ça compte. Là ça passe. Et je trouve pas ça trop dégueulasse encore. Moi j'aime bien mettre les escaliers proches des autres. Je pense que c'est pas mal. Écoute, je peux pas le mettre là parce que ça me pourrirait mon setup au-dessus. Je peux pas le mettre là-dedans parce que PTDR, quel enfer. Voilà, dans le truc des mines là, ça passe pas. Pas le mettre dans ces salles et tout, ça me plaît pas beaucoup. Je pense que je vais le mettre là. Je peux pas prolonger l'escalier actuel. Je comprends pas qu'on peut prolonger les escaliers actuels. Attends, si, quoi que si. Faire un petit clic dessus. Ah si. Si. Or. En vrai, pas dégueulasse, hein. Voilà, je sais qu'il conseillait de mettre deux points d'escalier dans le bâtiment et tout. Mais moi, personnellement, je préfère...
Mes 2 points, j'en ai 2 là, tu vois, pour les banques et tout. Mais pas besoin de plus, hein. On est bien, hein. Les premiers étages sont bien alimentés, mais l'étage final, on n'a pas besoin, hein. Donc ouais, là, soudainement, ça marche. Voilà. Soudainement, ça marche. Ok, bon. Bibliothèque. Non. C'est joli. Bam, porte latérale. Bam, non, c'est pas ce que je voulais faire. Bap. Porte latérale. Bap. Voilà, très bien. Excellent. Ensuite, donc ça, je le valide et je le modifierai après. Donjon tout équipé. Construisez une salle de chaque type dans le donjon. D'accord, donc c'était bien et bien le dernier, la dernière case possible et imaginable. Ok. On le fusionne directement à un micro-dortoir. Ok, je le valide. Auquel j'y adjoins une cantine. Et au passage, je supprime cette porte là. Non, je peux pas. Bon, je le valide. En temps de construction, on attendra que ça se construise. Donc une micro-cantine. À laquelle j'adjoins donc une cantine, il faudrait une salle de jeu, salle de pause. Voilà. Salle de pause, micro cantine. Bien sûr, en bout de couloir, au bout du couloir, des chiottes. Une salle du trésor, il va en falloir une petite même. Je peux pas la mettre là devant la porte, ce serait assez débile. C'est le meilleur moyen de se faire piller du cul. Dommage. 8-8, ça me donne l'occasion de caler un. Ouais, parce que tu as 4, et il faut que ce soit plus grand que ça même. Petite salle au trésor, c'est toujours pratique d'en avoir une, hein, on va pas se plaindre. Et donc ça, je la valide en l'état. Et enfin, donc on a dortoir, salle de magie bibliothèque, dortoir, salle de bouffe, salle de jeu, salle d'eau. Pas besoin du reste globalement, hein. Pas besoin d'atelier, pas besoin de prison. Il y a déjà une cantine, elle est là la cantine. Hein. Petite cantine, mais cantine présente. Non, c'est un étage qui est totalement autonome. Ici, on pourra mettre des reliques ou des choses un peu jolies et se faire plaisir. Très bien. Plus qu'à attendre que tout ceci se construise. Ça va être un étage, somme toute, assez léger, en fait. Hein. Une salle des coffres autour des piliers ? Bah non. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Les intrus explorent le donjon. Ah ! Ah bah, ils arrivent, tiens, eux. Dire ils arrivent et ils se mettent bien les cons. Attendez. Ce serait pas une dinguerie que ça, on puisse mettre un escalier là et que ça rejoigne directement dans cette pièce en fait. Ce serait assez divin en vrai. Hein. Bon, il y a des intrus. J'ai pas encore prévu cette éventualité. On va voir comment ils se démerdent.
Pas de système de sécurité, c'est bon à savoir. Aucun système de sécurité. Notre assommé, voilà, mettre une alerte à la volaille ici. Là, il y en a partout. Parce que j'avais jamais prévu qu'il fasse le tour. Et en plus, ils veulent convaincre le Goldbarg de relâcher mes démons. Ce qui est un vrai problème. C'est un vrai problème. Parce qu'ils vont réussir à le convaincre, ces enfoirés. Et du coup, il va foutre la merde. L'heure est venue de sacrifier des âmes. S'entretient avec les aventuriers. Et moi qui ai fait 3 démons. C'est du génie. Ok. Hamster de compagnie. Cool. C'est la salle de pause. Un hamster de compagnie. Seuls les elfes peuvent faire des canards ou hamsters sans imaginer qu'ils feraient des chaussons confortables au prix d'un modeste bricolage. Cool. Du coup, un démon devient fou. Tous les démons deviennent fous. Fantastique. Donc les 3 barbares que j'ai sacrifiés. Vraiment les démonistes ça sert à que. Oh la vache du damage. Il y a même des zombies, c'est fantastique. Oh. Bon, fort heureusement, ils ont quand même déclenché l'alerte. Ce qui va nous motiver nos gars à quand même venir leur mettre une pâtée, faut pas déconner. C'est une boucherie hein. Fort heureusement on a l'air d'avoir repris le dessus. Ce qui est comme tu dirais pas trop tôt hein. Là. Merci. Il en reste. Là il est fin du bordel. Eh ben 8 sbires morts, 2 démons. Patience de Zangar maximale hein. Il a rien vu, lui, hein. Il a rien vu. Bon, au moins, il a rien vu. Sacré merdier. Sacré merdier, sacré merdier. Il va falloir qu'on repense aussi notre système de défense. Alors, certes, il y a la salle d'entraînement. Prends 2 trolls à la place des barbares. Les barbares, je les mettrai dans une autre salle, je pense. Et voilà, maître, nous avons terminé l'installation des rayonnages de la bibliothèque. Vous allez pouvoir maintenant recruter des sorciers assistants, qui sont très commodes pour accomplir des tâches secondaires tout en participant à l'amélioration de vos indicateurs clés de productivité maléfique. Cette approche du développement des arcanes est très moderne. Voilà ce qu'il faut faire. Hé, je piche pas. Il a fait poser des planches pour des bouquins moisis. Et là, on va avoir de nouveau l'arbre minable. C'est quoi qui est moderne? C'est le problème avec ces nouvelles modes de management. La plupart du temps, c'est juste du vent. Mieux vaut obtempérer, pour l'instant. Le maître semble sous son emprise. C'est adorable. Alors attends, on a quelques modifications à faire ici. Déjà, on va caler la porte. Là, je vais pas commencer. Modifier. Supprimer la porte. Je peux supprimer la porte?
Modifier, supprimer la porte. Supprimer la porte. Je ne peux pas supprimer la porte. Je ne peux pas supprimer la porte. Ok, modifier. Vendre la pièce. Yes. Très bien. Modifier. Supprimer la porte. Voilà, supprime-moi ces portes! Merci. Merci. Maintenant que ça c'est fait, dortoir! Pap! Et bap! Ça m'a l'air bien. Tac! Allez-y! C'est validé. Très bien. Donc là, vous pouvez refaire ça à peu près correctement. Il va nous falloir une salle des gardes, de fait. Une autre salle des gardes. Avec peut-être quelques mannequins d'entraînement ici. Grosse salle des gardes. Au vu du bordel qui se prépare à popper depuis tout ce côté à la con. Voilà. Très bien. Ensuite, côté intérieur, il nous faut alors suffisamment de poulets pour empêcher l'éclosion de toute velléité de ce côté. Au moins un poulet là. Au moins un poulet là. Et un poulet là. Et un poulet là. Très bien. Validation. Ok, très bien. Voilà, les pièces sont vides pour l'instant, faites-moi confiance. Ensuite, vendez ces chiottes. Pourquoi vendre ces chiottes? Pour des avantages sexuels absolument incroyables. Voilà. Quel avantage sexuel, me direz-vous? Oh oui. Ah. Oh là 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 là. C'est confortable, hein? C'est confortable. Bap. Validé. Excellent. Ok, donc ça c'est bon. Pac, 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 donc ça ouvre directement là-dessus, ce qui est, somme toute, relativement dangereux, mais c'est pas grave, nous pouvons les piéger avantageusement avec un poulet. Toujours les poulets, hein. Toujours piéger avec les poulets. Pareil ici. Éviter les velléités et les pièges. Direct. Ok. Voilà. Nous verrons ce qu'on peut faire au rez-de-chaussée en dessous. Déjà, ça commence à ressembler un peu à un endroit sympa. Une cantine ou autre, et ensuite il va falloir penser à une salle d'entraînement. La salle d'entraînement, ça tombe bien. Nous pouvons la faire adjacente à la banque. Voilà, les gens peuvent la traverser librement. Parfait. Bien, 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 bien. Avec ça, on aura de quoi de stocker des gros trolls ou des trucs du genre. Ah non, les trolls, non, il faut les garder à l'étage sale. Mais là, on peut mettre des barbares et des vampires. Je souhaite garder tous ces endroits terriblement propres, si possible. Voilà. Maintenant, par contre, ce qu'il me manque... Ah, ce qu'il me manque, c'est des chiottes. Laissez-moi réfléchir. Ok, j'ai. Je supprime cette porte. Là. J'en fais donc un espace clos et fermé. Et je crée une giga chiotte sur toute la longueur. Avec une porte latérale nord. Bam. Les ennemis peuvent accéder directement aux chiottes. Mais ils ne peuvent accéder qu'aux chiottes. Et en sortant, bam, ils sont automatiquement repérés par le poulet du combat.
le poulet caquette, il fait cote, 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 c'est la bite. Les gardes ici sont excités, c'est la guerre. Et tout le monde meurt dans la joie et surtout ma bonne humeur. Là par contre, ça sert à rien d'avoir mis ce raccourci. C'est le seul moyen que j'ai trouvé de supprimer des portes. Chier. Je maîtrise mal. Validation. Validation. Et à cela, on pourra rajouter une porte là. Ça leur permettrait de faire directement l'allée au sud, plutôt que de faire le tour bêtement et débilement comme ça. Ouais, je vois. Excellent. Voilà, c'est un peu étriqué, je vous l'accorde. Mais du coup, voilà. Ça permet un couloir central, ici un raccourci pour la banque, là des chiottes accessibles par tout le monde via le couloir central, et enfin cet endroit d'arrivée un peu étrange et ésotérique qui imposerait à mes adversaires de passer par ici. Quoique si je mettais des décorations en forme de mur, je les forcerai à marcher sur une certaine ligne et donc à se pougner la chatte. Par contre, ils peuvent passer par mes chiottes, donc somme toute, ce ne serait pas effectif. Fais une porte extérieure qui donne sur la salle de tes gardes. Oui, mais tu n'as pas de poulet. D'accord, c'est vrai. Voilà, un poulet... adéquatement placé, tu m'en sauras gré. Voilà, et effectivement là il y a plus de fuite possible. Toutes les endroits sont quadrillés par des poulets. Il n'y a absolument aucun risque. Ils viennent réquisitionner le compost de vos tours. Qu'ils y viennent. Réquisitionner les enfants. Il n'y a absolument aucun risque. Eh bien. S'amuse dans la prison. Toi, tu te fais chier et tu descends à l'étage. C'est vrai que du coup, le fait que les drôles bossent à un étage... Pourquoi il était si haut? Il était parti dormir, lui? D'accord, parce que pour lui, c'était l'endroit pour dormir le plus proche. Je ne sais pas ce qu'il faisait si haut, en réalité. Il y a un dortoir qui est parfaitement acceptable à étage 0. Et les salles sont propres, vous remarquez. Depuis que j'ai embauché tous ces elfes, on est bien. Les desserts ont fortement augmenté, mais nous sommes en excessif de production de gamelles, de pain et de reste. Alors toi, qu'est-ce que tu produis? Qu'est-ce qu'on voit ce qui est produit? Est-ce qu'on sait ce qu'ils produisent ces gens? Se soulagent. Ok, bon. Un artisan a été mangé par un drôle. C'est bien, je n'en ai plus besoin. Nourrissez-vous. Mais... Bisous si tu arrives à l'entendre. Mais Hitman Back in Time. Moi j'ai beaucoup d'amour pour Fanta. Les seuls reproches réels que t'as à lui faire sont genre deux réflexions qu'il a fait en 11 ans si tu veux. Si les seuls reproches que t'as à faire à un homme sont deux réflexions qu'il a pu faire sur 11 ans, c'est que littéralement tu dois détester tes parents. Parce que tes propres parents ont fait beaucoup plus de merde sur l'étendue de ton existence. Et pourtant tu les aimes. Jean Christobald, respire. I swear to Christ. Bon. Anyway. Voyons voir. Pédestal apprentissage. Un grimoire, un sorcier. C'est un livre de prière, un cultiste, un manuel, un nécromancien et un traité, un formagicien. Putain de merde, il va falloir que je compte encore. Permet de stanker de 20 l'énergie astrale dans le donjon. Un sorcier est produit de l'énergie astrale. Très bien. Donc ça sert à la fois de stockage... Et d'amélioration. Ok, bah très bien.
Eh ben, ça va être ici, on va faire ça comme ça. C'est très Dungeon Keeper dans l'idée. Hein. Parfait, ça. Ouais, attendez, laissez-moi bloquer, stocker des bibliothèques. Alors ensuite, laissez-moi mettre un petit espace. Je sais ce que vous pensez. Mais Bob, t'optimises pas! T'optimises pas l'espace, tu pourrais mettre plus de bibliothèques. Bien sûr que je pourrais mettre plus de bibliothèques, Jean-Célestin. Évidemment que je pourrais mettre plus de bibliothèques. Mais... voilà, peut-on penser au prestige? Je sais pas combien j'ai de sorciers, de nécromanciens et de merdiens. Voilà, des prestiges, un truc ésotérique un peu. Et enfin, pupitre de gras de papier. Un sorcier y produit de l'énergie astrale. Attendez. Attendez. Déjà, accepte l'investissement. Bah déjà. Bout de bibliothèque. Ensuite, sbire. S'il vous plaît, RH. Donnez-moi les RH. Ah, des RH. Voyons voir. Métier. 4 nécromanciens. 2 pharmagiciens. J'en ai donc un qui est mort. Je vais en recruter un immédiatement d'ailleurs. Merci. Et attends, ça disait qu'il était maladroit. Voir leur fiche de perso. Parce qu'il est maladroit. Le sbire a moins de chances de produire, plus de chances de se blesser au travail. Licenciement impossible pour le moment. J'ai pas le droit. Mettez-le en prison. Et quant à lui, prison. Voilà. Excellent. Enfin, licencié. Très bien. Excellent. Et lui, c'est un moment impossible. Très bien. Très bien. Donc ça nous fait, il va falloir les compter correctement. Voyons voir, dans le système RH. 0 cultiste, puisque notre cultiste est mort, à nouveau. Décidément, les cultistes, c'est un peu de la bite. On va en reprendre un, mais pour l'espoir. Il est rang 5 en plus. Hein. On va peut-être lui mettre des créatures moins dangereuses, tu vois, mais à chaque fois j'aime prendre le risque. Où est-il? Il a ce gros sac à merde. Pas de cultiste disponible. Il sera sacrifié, vous en faites pas. Bon. Toujours est-il que, voilà. Recomptons. Donc système RH. 4 nécromanciens. Il m'en faudrait peut-être un de plus, tu me dirais. 5 nécromanciens seraient somme toute pas mal, je pense. On va en prendre un de plus. Recruter un nécromancien supplémentaire. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un magicien, ça. On va prendre un nécromancien supplémentaire. Il est level 1, c'est de la merde, mais bon. Voilà. Au moins, on fait ça. Comment ça, quoi de quoi? Le stockage de l'énergie astrale est disponible. Très bien, je sais. Ensuite, nous avons... on aura un cultiste. 4 pharmagiciens, idéalement. 5 nécromanciens, ça fait déjà 10 personnes. Il nous faudrait peut-être une dizaine de sorciers. Ça ferait 20 pupitres, mais il en faut au minimum 10, plus le nombre de sorciers que je veux acquérir. Donc grande question,
permet d'assainir cette histoire un peu un livre de prière cultiste. Je ne sais pas ce que ça fait, ça. Déjà, ça en fait 10. Voilà le minimum. Bon, déjà, on va en mettre 10, parce qu'on sait pas à quoi ça sert, donc déjà ça. Ensuite, combien de sorciers je voudrais ? Je pense pas que les 9 soient en train de produire de l'énergie en même temps. Je peux faire ça, mais c'est pour rendre ça joli. Voilà, c'est pas mal. Ok, c'est pas mal. Ça produit. Moi, ça donne des attributs de grimoire. Ensuite. Non, c'est pas très bon. Et ça non plus, d'ailleurs. D'avoir une table, je trouvais ça joli. Une sélection de bouquins. En fait, si je. Voilà. Je remets ce que j'avais prévu de faire. Ok. Donc avec ça, ça nous fait 14 pupitres. Construisez-moi tout ça, maniez-vous. Epali Bangdival de je sais pas qui est en tôle. Un fort magicien, torturez-le. Voilà. Si possible, jusqu'à ce qu'il crève. Ah oui. Afin qu'il ne me coûte pas de salaire. Ok, donc la bibliothèque est en cours de construction. Et on peut stocker 480. La bibliothèque est complètement insuffisante. Est-ce qu'au 6ème étage, on a la place de caler une petite bibliothèque? Sans aucun doute, ce sera compliqué. Après, on a de la place pour. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est juste dire que la bibliothèque n'est juste pas assez spacieuse. Je sais pas à quoi sert ces grimoires. Un livre de sorts, un lanceur de sorts. Traité de soins. Sort de soins collectif. D'accord, donc il y en a très peu en vrai. Il y en a très peu des bouquins comme ça en vrai. Donc, j'ai pas besoin d'en avoir autant de ces contraptions. Sélectionnez le menu téléportation. Où ça? Téléportation. Sélectionnez un lanceur de sorts. Les sbires lanceurs de sorts peuvent être téléportés n'importe où, n'importe quand en échange d'une quantité d'énergie astrale. Immédiatement après téléportation, il déploie un effet de téléportation s'il a été assigné à l'île de sort. Yeah, well. Quelqu'un m'appelle? Quelle est l'utilité réelle de ça? C'est vrai que c'est bien, du coup, ça le met bien, tu vois, mais... J'aime coiffer des poneys. Mais il s'en bat peut-être un peu les couilles, non? Bon.
Ah, c'est très... C'est très le stockage du livre, hein. C'est très j'aime lire. Version Hachette, tu vois. C'est la bibliothèque, hein. Mais des livres dans les creux du milieu, non? Bah, justement, j'aimerais éviter de faire des trucs comme ça, tu vois. Ça rend pas si bien, ça rend pas si bien, je trouve. Tu vois, c'est pas top. Je vais mettre une petite fontaine, un tapis, rendre ça joli, tu vois. Rendre ça joli parce que j'ai espoir. Mais bon, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit que j'ai recruté un cultiste, je l'ai fait. J'ai recruté un nécromancien, je l'ai fait. Maintenant, il nous faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sorciers à la con. À ça, il faut adapter la pièce. Il nous faut des double bunk beds. À débloquer un restaurant à liesse, luxueux. J'aimerais bien un luxueux pour nains, cercueil, c'est très bien. Mais voilà, donc pour l'instant, vous aurez malheureusement, les enfants, des lits superposés. Voilà, vous aurez des bunk beds. Des bunk beds de sorciers. Et c'est tout. Voilà. Une armoire à fort magie, forcément, tout le temps. Une armoire, c'est juste pour le confort des gens. C'est juste pour qu'ils soient traités un peu comme des êtres humains, si tu veux. Un minimum. Des lits de paille, non, c'est pas nécessaire. Un coffre, mais ça, c'est vraiment pour la déco. Voilà, un coffre, mais c'est pour faire joli. Et enfin, décoration. Alors, vous voulez une étagère à jouer, une deuxième étagère à jouer, une troisième étagère à jouer, une quatrième étagère à jouer. Ensuite, un petit candélabre en or. Supprimer ça, mettre un candélabre en or, voilà. Petit chandard, tu vois, histoire de se mettre bien. Fontaine, c'est pas nécessaire, brasero magique. Quoique un brasero magique. Bien sûr, à l'entrée de la pièce. Voilà. Petit banc, lol. C'est pas nécessaire, ça. Petit pot. Un distributeur de chiantos. Bon, c'est trop après. Après, c'est trop et c'est pas nécessaire. Des lanternes, bien sûr. Voilà. J'aurais pu mettre un feu de cheminée quelque part. Mais que voulez-vous, j'avais la flemme. Quoique. Je pense qu'ils auront assez de place pour dormir dans les bunk beds. Je vais faire ça. J'installe ça, histoire que ça fasse un peu joli. L'ordre du sacro-saint poulet pour la déco. Une plante en pot pour faire vraiment genre. Ils sont bien installés, tu vois. On les respecte, on les respecte. Et bien sûr, du luxe, du luxe, du luxe et du luxe. Statue de nain spécial, totel du pal, statue de nain en or. Oui, j'avoue. Tapis en pot. Voilà.
Plein de prestige. Ok. Nice. Voilà. Honnêtement, un dortoir de grande qualité, j'ai envie de dire. Bon, eh bien écoutez, braves gens, je me suis fait chier à faire tout ceci, ça a pris un certain temps, mais ne vous en faites pas, nous allons avancer dans l'histoire principale dès le prochain épisode, je vais finir d'aménager toutes ces pièces, et nous pourrons avancer directement. Allez, zou, c'est ça qui est bon. Travaillez ! Il travaille ! Un magicien ! Bientôt la paye. Ah non, c'est mon cultiste ! Le seul qui travaille, c'est le cultiste ! Au secours.